Bonjour et bienvenue, peut-être dernier épisode, peut-être pas, on verra ça. Oh, la jambe d'extinction, le monstre. Non, non, c'est pas toi, Sam, c'est le truc derrière toi. Bon, bref, on y va, c'est parti. C'est parti, encore plus de révélations. Special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier, right? Soon it'll be time for you to come out into the real world. I promise. And then we can have a real party. Well, happy birthday. Allez, c'est parti. On doit rejoindre... Sam, check the terminal for available orders. Ok. Alors, livraison de cryptobiote pour Fragile. Donc nous, on est là, vous avez vu la map. Hein. On est de retour à la première zone, donc ville relais portuaire, et on doit... Allez, ici, c'est grand, c'est long, on va se débrouiller. Mais un truc, il y a ça, on peut rien fabriquer, vous allez voir, ils vont nous expliquer. C'est pour Fragile, elle est jolie cette image. Alors, on va prendre le grand autonomie, je crois qu'on a, j'ai vu un camion à l'arrière. Camion doré à l'arrière du 3 roues. On va voir. Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. Alors, ça c'est un gros problème. La grosse difficulté de ce moment-là, de cette partie du jeu-là, ça va être de garder ce container en fait à flot. Et c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que il prend l'eau aussi. Et le problème, c'est que on va pas avoir des dégâts sur le container, on va avoir des dégâts directement dans la marchandise. En tout cas, c'est ce que dont je me rappelle. Et ça, c'est un gros problème. C'est que la marchandise directement qui prend des dégâts et pas le container. Et ça, ça va nous... j'ai eu plusieurs game over, honnêtement. J'ai eu plusieurs game over pour ça. Caisse de cryptobiote recueillie et stockée par Fragile Express. Ne submergez pas ces marchandises dans les rivières ou autres points d'eau. L'humidité pourrait en effet s'infiltrer et la caisse a endommagé son contenu. J'ai eu des game over à cause de ça. J'ai vraiment pas apprécié. C'est un triple, c'est un niveau 3 avec... Ouais, c'est des batteries, ça. Normalement, vous voyez, il y a deux cylindres, ça c'est batterie. Si c'est un bloc à l'intérieur, ça veut dire que c'est de défense. Donc parfait, déjà on est protégé. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital non-city distro center. As for the not-so-good news, Cairo printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. Washing up the bed.
C'est bon, on a fini la musique. Donc, bienvenue en enfer. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que on peut plus. En plus, vous avez vu, c'est des ors en fait. C'est pas juste des noirs normaux, BT normaux. C'est en or, c'est en chiralium. Donc, les imprimantes en fait ne fonctionnent plus, donc on peut plus rien créer. Mais on pourrait demander à nos amis porteurs, aux autres joueurs. Donc là, le multijoueur en fait arrive et devient intéressant. Je voulais juste regarder la map un peu. Je voulais faire. Oh, regardez le réseau. J'aime bien quand on regarde le réseau. J'ai jamais fait attention à ça. Vous voyez, le réseau il part complètement en couille. C'est énorme. Petit détail, mais cool. Et après, voilà, c'est les intempéries. Genre. Partout, hein, vous voyez. Donc imaginez un jeu genre Death Stranding 2 ou Death Stranding genre un add-on et tout ça, où il y aurait des zones comme ça, où il n'y a que des BT partout, tout le temps, avec des monstres tout le temps. Il faut que d'autres joueurs nous aident et tout. Ce serait vraiment cool. Ou alors le réseau chiral ne fonctionne plus. Ce serait vraiment cool. Il y a plein de choses à faire avec ce jeu. Alors ce qu'on va faire là, on va tracer, ok. Et on va croiser les doigts, c'est parti. C'est parti. Vous entendez les bruits? Les bestioles essayent de nous bouffer. En fait, essayent de nous tomber dessus pour nous faire exploser. Oh, c'est bon. On est bon. Voilà, parfait. Vous voyez, elles arrivent, elles s'explosent. Enfin, elles vont se mettre au sol comme pendant le boss. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Honnêtement, c'est plutôt cool. Ah, bonjour. Vous avez vu le bordel que c'est ? Il y a des... En plus il est boosté avec avec du chiralium. Vous avez vu, on s'est même pas fait attraper par un BT hein. C'est directement poids et boss. Imaginez ça tout le temps. On va devoir se mettre à l'abri. Il est où? Devant nous? Derrière nous? Derrière nous. Heureux qu'on a pris directement, on a récupéré le contenu. Non, t'accroche pas, il s'est accroché au bâtiment. Plus haut. Go. Ah putain. Le calamar est assez facile si on reste à flot. À flot. Enfin, plutôt à sec. À flot, ça serait au-dessus de l'eau. Genre ne pas sombrer dans l'eau. Mais nous, on veut même pas être sur l'eau. on va regarder. Ah, grenade. Peut-être un peu mieux. C'est des niveaux 2 en plus. Il est où?
Allez, détecte-le-moi, bébé. On peut s'échapper, hein. Nous, on va le combattre parce que... Ok, il l'a vu. Ok. Ok. C'est du niveau 1. Oh, mon pote. Tu m'as écrasé, mon pote. Doucement. Non, il est toujours là. Et là, par contre, c'est pas bon. Ok, on est bon. Oh mon, ma vie, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, Sam. Parce qu'on n'a pas le bon matériel. Ouh, il y en a du monde. J'espère que la cargaison est en bonne... En plus, il y a de la sauvegarde automatique. Donc si jamais vous avez un problème avec la cargaison, rechargez une sauvegarde antérieure. Genre par exemple avant ce combat. C'est un peu ça le problème. On a toujours la cargaison. Ouais, et elle est en très 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 mauvais état. On est bon. On va retourner au camion pour s'abriter. J'ose même pas regarder. Cryptobiote. On est à 49% de dégâts. On est à 49% de dégâts, s'il te plaît. J'imagine que la meilleure des choses, ce serait de laisser les cryptobiotes en fait à l'intérieur du véhicule. J'ai envie de dire, honnêtement. Fais voir. Fil de saut. Pose de sang. Max. Non, c'est bon. Lance-roquette quadruple. Enfin, lance-roquette quadruple fois 2, très bien. Ça, on peut le mettre sur le porte-outil. On va essayer de prendre ce que les porteurs nous ont laissé. Mais vous voyez le problème avec ça? J'aurais pas dû peut-être le transporter sur moi. Je pense que les dégâts en fait sont pris, c'est quand je marchais dans l'eau ou alors juste à l'extérieur, le fait qu'il pleuve en fait. On a récupéré tout ça. Ah, mais vous avez vu ce système? Parce que nous, on a toujours été habitués au fait que... C'est vrai que j'avais pas la caméra droit devant nous. J'avais un peu oublié qu'il y avait un boss directement. Je voulais montrer en fait les bestioles qui tombaient, là, les gros sacs là qui tombaient derrière le camion. Mais vous avez vu que c'était instant poids et le boss qui arrive directement. Et ça, on l'a jamais vu, ça. Donc vous voyez un peu ce qu'on pourrait créer avec ça. Genre des arènes de boss en gros qui se
qui se mettent automatiquement et tout ça, ce serait extrêmement intéressant et extrêmement dangereux aussi. Niveau 2, ça c'est bon aussi. Ok, très bien. On n'a pas fini, hein, c'est pour ça que je m'équipe. Est-ce qu'on est à fond? Ok, très bien. Vue d'assaut, arme anti-émeute. Voilà, comme ça les deux armes de poing sont sur les jambes. C'est... arme anti... ah, c'est le fusil à pompe niveau 2. Qu'on a. Aïe 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 aïe. On n'a pas de colmatant, on n'a pas de structure. À la limite, on peut peut-être utiliser ça, genre la réparer. Je sais, normalement, on peut la réparer. Oh merde, on est resté. C'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Réparer structure. Je fais beaucoup de chiralium, mais... genre... attends, ça par contre, on va le jeter. Genre... après, c'est une... ouais, c'est niveau 1, donc il va falloir faire peut-être plusieurs fois. Ok. La caisse doit être presque... je pense que la caisse est bonne. Voilà. Elle est remise à neuf. Voilà, en tout cas la caisse est remise à neuf. Ah, j'aurais dû la déposer dans le camion. Alors, on va s'arrêter là-bas, on sera à l'abri de l'eau. Et on va... on va mettre la caisse dans le camion, pas sur nous. Ça devrait être bon. Vous avez vu, là ça devient un peu compliqué en fait. Ah, ce qu'on pourrait regarder, c'est... il y a des choses à récupérer. Mais ça devient compliqué hein, quand il fait que pleuvoir. Là, on comprend quand même. Hop. Ah, ça m'embête d'avoir... on est à 49%, quoi. C'est débile. Hein. Je peux voir un peu. Là, je suis trop loin du camion. C'est débile, hein, c'est chiant. Hein. C'est vraiment con. Alors, casier partagé. Ok, merci. Merci. Merci les porteurs, merci infiniment. Et on y va, on se casse. Débrouillez-vous, quoi. Débrouillez-vous. Si jamais le camion se fait attraper, les cryptobiotes devraient rien prendre. Ok, ça va être reparti. Super. Ah, il y avait des objets sur la gauche. Merde. Oh mon dieu, c'est en or. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Ah, on va pas y arriver, on est mort. Ça va? Vous aimez ou pas? Ah, la vache.
Est-ce que vous aimez les échoués en or, en chiralium? Je sais pas, y aller à pied. Lance-bolas. Oh, lance-bolas, ça peut être utile. Ça oui. Ça aussi. Ligne droite. Oh, on est mieux. Alors, on peut voir un peu. Ok, c'est bon. Pas eu. C'est toi qui avance. Et lui, on va se le faire à l'ancienne. On va se faire celui-là. Je crois qu'il y en a encore un qui a... Ouais, voilà. On va prendre Bolas. Non, c'est le Bolas. Très bien. J'ai envie d'envoyer un lance-roquette, honnêtement. Merde. Ok, là par contre, grenade. Très dangereux cela. Oh là là.
Mon dieu. Ah, c'est des grosses zones, hein. Merde, je suis allé trop vite. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Ok, c'est parti. Ah, c'est comme ça qu'on se débarrasse de BT. J'ai mal à toucher le B de B. Hein. C'est ça que je vais faire, c'est ça. Ouais, je pense pas que c'est peut-être bon de s'approcher. De s'approcher quand il fait ça. Un tir. J'arrive pas. C'est bon. Ok, on a trois. Trois spéciaux. Et après il est où? Il est là. Ok. Ah, les autres on va les laisser. Oh, ça se fait. J'espère que le camion est encore potable. J'imagine qu'on doit être bon là. Oh, rien que cette structure à la 90 000 life. Ouais, on a vu pire. Je pense qu'on est bon. Ah, qu'est-ce qu'ils sont énervés en plus. Bébé, il est près de la... On devrait être bon. On fait ligne droite sur le chemin. Ils sont super vénères les BT, hein. Elles se déplacent vite, plus rapidement, plus facilement, elles vous détectent plus facilement. Allez, go.
go, go, go. Oh, le camion, quoi. J'espère qu'on est bon maintenant. Oh la vache. Ok. Ah, les mules voulaient pas sortir et nous aider. Moi le camion, il est dans un tel état. Ah, il y a les mules qui sont dehors, qui vont nous tirer dessus et détruire le camion. Parce que pourquoi pas? Il nous faudrait vraiment un autre camion là. Oh, on pourrait le réparer. On pourrait le réparer comme ça. Y a le bébé aussi qui est... Ah oui, qui est complètement à la ramasse. Il fonctionne plus. Il y a le bébé qui est en... C'est quoi? Autotoxicémie? Je sais plus. Oh mon dieu, quel carnage. Vous voyez la différence quand... Si le jeu était extrêmement hardcore et tout ça, genre avec des BT partout, des boss qui se déclenchent, la pluie qui est partout sans cesse... avec des BT genre dorés au Chiralium. Vous voyez la différence? Ok, le bébé devrait être bon maintenant. Let's go. Ah, j'aurais dû prendre un monster. Ah, c'est pas grave. Ça ira plus vite. Ah, le bébé est toujours... Ok. Let's go. En tout cas, le camion est héros 9, donc ça va. On devrait pas avoir de problème de ce côté-là. Les batteries sont chargées et il y a du BT devant. Oh mon dieu. Cool. Ça va bien? Oh mon dieu de merde. Oh mon dieu. Non, il n'y a plus le camion. Aïe 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 aïe, on est tellement mal placé. Oh, bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Commente, commente. Oh waouh, trop bien. Il va nous bouffer. Je pensais pas que... Après c'est une requête, c'est logique. Mais je pensais pas que la déflagration pouvait nous faire tomber en fait. Après comme un con, je les combats, je devrais pas du tout... J'ai peur de regarder l'état de la marchandise. Faudrait trouver des...
des endroits pour poser le, l'objet en fait. Bon bah c'est bon, c'est mort. Well, the cargo's trashed. Marchandises détruites. Je vous avais dit que ce passage était extrêmement dur du jeu, surtout en very hard. Oh mon dieu. On recommence ici. On va passer par un autre chemin, on va voir. Ah, il y a des BT aussi, hein, mais... J'arrive peut-être à passer tranquillement là. Eh, pas mal. Pas mal. J'ai envie de... J'ai envie de voir si on peut pas laisser la cargaison. En fait, quelque part, parce que combattre avec la cargaison, c'est la merde, laissez tomber. Genre, il me faudrait en fait ça, un truc comme ça, mais plus approché. Oh mon dieu, les vues. Il me faudrait un dépôt, quoi, plus près. Ce qu'on pourrait faire, c'est le laisser au météorologue. On va voir déjà si on n'a pas de l'équipement à prendre. Parce que le problème, c'est que même si on répare la caisse, en fait, si on se fait taper, ils vont défoncer la cargaison à chaque fois. Donc, on est voué à l'échec. On est simplement voué à l'échec, en fait, à cause de ça. Là, on pourrait laisser la cargaison, mais c'est un peu loin. Là, on a un générateur. Là, on a un abri. Là, on a un abri. On va essayer de laisser le truc à l'abri. Les cryptos. Les bestioles à l'abri. Crypto gear. Non, il est trop loin. Il est trop loin l'abri, il va être... Non mon dieu. Il est dans la zone de destruction. La zone de combat. On va le mettre là. Je peux voir un peu. Viens ici, triple lion. Et moi, j'aime bien les combattre. Très bien.
On va se mettre à l'abri. Comme ça, ça nous réparera nos colis. On en a besoin. S'il faut, ça se déclenche pas tant qu'on n'a pas le. Tant qu'on n'arrive pas avec la cargaison. C'est possible. C'est même fort possible. Ou alors c'était après ça? Je m'en rappelle plus. On va voir. Alors, on est arrivé au point où il y a le combat. Je voudrais en fait pouvoir mettre à l'abri. Les cryptos. Les cryptobiotes. Ah, et faire le combat, voir si c'est possible. Là, ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît pas mal. On va voir si ça fonctionne. C'est parti. Comme ça, on va pouvoir combattre sans trop de problèmes. J'ai jamais vraiment fait comme ça en fait. Je vais voir si ça fonctionne. Après, peut-être que les boss se déclenchent pas tant qu'on n'a pas la cargaison sur nous. On va voir ça. On va prendre la moto. On va prendre la moto, j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? je crois qu'on a zappé les lions, ça va. Mais il y a autre chose. Autre chose de bien plus gros. C'est magnifique. Me demandez pas ce que Kojima il a avec les baleines, mais... Ok. En tout cas, normalement, notre cargaison devrait être tranquille. Je suis très content. Notre cargaison devrait être... nickel. Je conseille de faire ça, en fait. De la mettre quelque part. Alors elle nous lâche des bestioles au sol, elle fait des lasers, elle nous lâche des échoués au sol, des échoués dorés. Hey, hey.
très très dangereuse. Très 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 dangereuse. Je suis content qu'on ait mis le truc là-bas. Oh la vache. Tu gères toi, tu gères. Sam, fais demi-tour. Ouais. Alors attends, on va faire ça. Ok, go. Faut assez anticiper les tirs. On a de la chance, on a des... On a pas mal de roquettes. On a quoi? On a encore un lance-roquette. On a encore un lance-roquette. Oh mon dieu, bouge, bouge, bouge. Oh, oh la vache. Merci. Yes, yes. Done. Merci. Ah, c'est le mec 500. Faudrait qu'on se mette à l'abri. Bonjour. Ah, la voiture. On s'est pris la voiture. C'est pas grave. J'avais dit, hein, faut se mettre à l'abri. Faudrait qu'on monte. Allez. Yes, très bien. Allez où, allez où, allez où. Ah la vache, regardez les immeubles gigantesques. Ah non. On est bon. Oh mon dieu de merde. Est-ce qu'ils sont sur les immeubles? Je crois pas. Non, ils restent dans l'eau. Ils restent dans l'eau, donc on risque rien. Enfin, on risque rien à condition de pas tomber, parce que normalement, il doit être en bas. Je crois. Genre à taper sur l'immeuble et tout ça. Ou on a un lance-roquette à fragmentation. Ça, c'est un autre lance-roquette et on l'a pas pour le moment. Cool, hein. Oh mon dieu. Ok, là c'est un problème par contre. Ça va. Cool, hein, on dirait vraiment Metal Gear Solid. Il est où notre lance-roquette à frag? Je crois qu'il tire 5 roquettes. En fait, c'est une roquette qui se divise en 5. C'est pour ça qu'il y a 5 croix et on peut les cibler. Allez, trouve-le. Oh, là. Quel con, putain de merde. Vraiment un abruti, moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, très bien. Anti-échoué, lance-grenade. C'est ça que je voulais faire pour pas et utiliser des... Attends, on a un lance-roquette, pourquoi pas utiliser ça à la place?
pour pas utiliser les poches de sang. Oh, vous entendez? Des échoués. Ils ont échoué sur la gauche, je crois. Aimé ça. Oh la vache, qu'est-ce qu'on a de gros? Pas grand chose. Autre bâtiment, non, ok. Autre bâtiment là. Je me mets là parce que voilà. Me dis pas qu'ils sont là, me dis pas qu'ils sont là. Okay, on est bon. Je crois qu'on est bon. Ok. Oh, fusil à pompe. C'est cool. C'est pas mal le fusil à pompe. On pourrait faire le tri dans notre inventaire aussi, mais... presque bon, je crois qu'on est bon. Ah oh putain. Son of a bitch! I thought it was all over.
Bon, on va récupérer notre camion. Donc ouais, je conseille de faire comme ce que j'ai fait. Essayer de prendre, de faire un CCP. Alors je sais pas si on peut construire. Je sais qu'on peut pas fabriquer, mais je sais pas si on peut construire ou pas. Donc mettez un abri pas très loin et foutez votre camion. Ou alors la caisse directement sous l'abri ou quelque part. Où personne peut la toucher. Parce que sinon combattre avec ça, combattre avec la caisse, c'est horrible. C'est quasiment impossible, honnêtement. Ouais, très bien. Bon, on est mort alors de d'échouer en or. On est mort tout simplement parce qu'on s'est fait tuer par des lions à un moment. Et on est mort aussi de destruction de caisse. On a tout vu là sur cet épisode. Mais voilà, c'est le dernier boss de Death Stranding, c'est ça ? Je sais pas pourquoi les lions se sont pas déclenchés. Alors je sais pas comment j'aurais... j'aurais fait cet épisode genre édité. Mais on avait des lions, donc les trois lions encore une fois, parce qu'on est en verrière, donc c'est à chaque fois c'est par trois. Je sais pas comment ils se sont pas déclenchés la deuxième fois. Ouais, je sais pas trop comment et pourquoi. Après, on était à quasiment plus de... Je suis sûr qu'on a combattu à plus de 500 mètres des caisses, mais ça a pas disparu. Donc, bon, ça c'est une bonne chose. Où on était à 480 mètres, j'ai vu, mais je suis sûr que pendant que je combattais, j'ai dû dépasser les... Les 500. Mais ça a quand même pas disparu. Oh. Allez! Ah, merci. C'est là qu'ils apparaissent. Je pleure s'ils apparaissent. Mais voilà, il pleut plus, on est bon. Il vous faudra à la limite, je pense que le mieux c'est où vous mettez la caisse sous un abri comme ça, mais très lourd. Non. Non. Oh. Oh mon Dieu. Je vais pleurer. On va les éviter. Oh la vache. Non, je veux pas les combattre avec la caisse. Elle est déjà très très mal en point. Je pense que c'est un truc de very hard en fait, d'être en très difficile. On y va à pied. Parce que là, la caisse, elle doit être en piteuse. J'aurais dû pleurer. Je pense que c'est un truc d'être en très difficile, les lions. Ils devraient pas apparaître. Parce que là, on a tué le boss de fin. Putain, mais c'est affolant. Donc en fait, ils apparaissent vraiment. Ou alors c'est parce que j'étais sur la montagne, donc je suis pas allé sur ce côté-là. Donc du coup, on les a pas trigger, on les a pas déclenchés. Ou alors c'est parce que j'avais pas la caisse. Mais je pense que c'est parce qu'on était sur la montagne, sur le côté droit, voilà le flanc là de la montagne. Ouais, mais si vous passez là en bas, vous les déclenchez. Ah, ça aurait été con, hein. Ça aurait été con, hein, de se faire tuer par les lions.
On n'aurait même pas mouru, on serait pas mort des lions, on aurait perdu la caisse surtout. Allez, on y va. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à voir. Allez, on arrive, fragile. On n'a pas pris les cristaux. Il n'y a pas une tour ici. Je sais pas où ils sont les cristaux. De Chiralium. De la... De la baleine. Ça fait con parce qu'il y en avait beaucoup. Ils ont peut-être disparu, hein, vu qu'en plus on a déclenché un autre combat. Ils ont peut-être disparu, c'est pas grave. Ouais, ils devaient être là. J'avais pas trop envie de m'éloigner de la caisse, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas ce qui manque honnêtement. Allez, on avance, on continue. Mais oubliez pas de prendre des cristaux pour vous. Très bien. Pardon. Ah, faut aller... Ah non, non, faut aller le... Tout là-bas. Ouais. Tant mieux qu'on ait la moto. L'habitude de faire des livraisons ici. À gauche. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. On a beaucoup d'émotions, c'est pour ça. Entry for bridges only. Oh la vache. Enfin fini. On continue.